Salut, peuple de Gulli. J'ai traversé les déserts, la savane et les océans pour venir jusqu'au Gulive. Est-ce que vous avez la forme? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On se met en condition, hein. T'as pas oublié que vendredi prochain, c'est la grande finale de Safari Go. Ça va être génial. Et du coup, tout le monde est prêt. C'est bien. Oh là là, et moi, Carole Rousseau, je l'aime tellement. Je voudrais devenir elle. Comment ça, tu veux devenir elle? Bah ouais, je voudrais me transformer en Carole Rousseau. Mais ça, Anaïs, c'est possible. Ah ouais? Les amis. Oh, Carole! Salut! Mais ça fait plaisir que tu sois avec nous. Bah écoute, c'est top. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie. Mais c'est fou quand même. Ouais, tu as vu ça? Hop, comme puis, ça, hey, Marie Poppins. Et vous avez vu comme elle est habillée en Ranger? Safari Go! C'est un peu plus chic quand même. Évidemment, vous l'avez compris, on va parler de la grande finale de Safari Go ce vendredi. Et voici un petit aperçu. Bah oui, histoire d'en avoir plein les yeux. La semaine prochaine dans Safari Go. Bienvenue pour la finale de Safari Go. Nous allons vivre ensemble le moment le plus important de la compétition. Chers finalistes, vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, Safari Go! Poussez plus vers moi. Voilà, faut aller jusqu'au bout. Doucement, pour les enfants. Allez, maman, aide-le! Allez, vas-y, chérie. Vas-y, chérie. Papa, t'es le meilleur. Là, c'est la finale. Fatigue ou pas, tu vas, c'est la dernière ligne droite. Félicitations à vous quatre. Vous allez intégrer un groupe de volontaires qui consacrent leur vie à la sauvegarde des vervettes monkeys. Cette finale se joue en deux manches. Safari, ski, droit, gauche, droite. Attends, je suis coincée. Mais ça marche. Je lui dis droite, pourquoi il n'a pas le pied droit? Ça a beaucoup crié pendant le jeu. Pression, ça sera jusqu'au bout avec les verres. Voici la deuxième manche de cette finale. Voici la dernière grande épreuve de Safari Go. On va faire de notre mieux. On va tout donner pour gagner cette épreuve. Pression. Qui remportera Safari Go et deviendra la Ranger Family? Au revoir la cabane. Oui, Safari Go. Au revoir. Bon, comment ça va, Carole? Super bien. On est très contents de t'avoir dans le studio du live. Je suis ravie d'être avec vous tous, hein. C'est sympa. Alors, avant de te poser toutes les questions de nos téléspectateurs, nos Gulivers qui sont complètement fans de Safari Go, moi, j'ai une question à te poser. Ouais, j'écoute. C'était comment, cette aventure? C'était top. C'était top parce que, déjà, c'est loin. Déjà, c'est dans un pays magnifique. Et surtout, pas déjà, c'est avec des familles, donc on s'éclate, quoi. Bon, donc, on t'a préparé un quiz savane, d'accord? Comme tu es la reine pour nous de la savane. Alors, on a des questions de nos téléspectateurs, nos Gulivers. Tu vas entendre des sons d'animaux. Donc, pour découvrir la question, il va falloir que tu trouves l'animal en question. Ah, d'accord. D'accord. On va commencer avec le premier animal. Et si j'y arrive pas, comment on fait? Eh bien, je te donnerai un ou deux indices. Ah, OK. Alors, voici donc le premier animal. Un singe, ok, facile, on va dire que c'était facile. Parce que ça pourrait être un oiseau. Oh, celui-là, il était facile. Non, Carole, celui-là, il était facile. C'est vrai. On commence doucement. Bon. Et on va donc découvrir la question singe d'un des Gulivers. Regarde bien. Quel est ton meilleur souvenir de l'émission? Oh là là, il y en a beaucoup. Mon meilleur souvenir, c'est Momo en train de faire de la tyrolienne. Pourquoi? Sur le parcours. Là, j'ai eu un fou rire. Pardon, Momo, mais... Ah, Momo, désolé. Comme dit sa femme, un éléphant dans un magasin de porcelaine ou sur je sais pas quoi. C'était un peu ça. Il était très, 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 très amusant. Mais parce qu'il avait peur ou parce qu'il faisait n'importe quoi? Non, parce qu'il était... il s'est lancé avec une vitesse incroyable et au final, il a un peu rétro-pédalé et c'était... À voir, c'était assez rigolo. Ah oui, c'est sûr. Bon, allez, deuxième animal. Le lion. Non. Alors, un petit indice. J'aurais dit lion aussi. Non. C'est un animal plutôt aquatique. Ah, l'hippopotame. Non, qui fait flipper. Avec une grosse mâchoire. Aquatique. Qui fait peur. Un crocodile. Mais merci. Aïe. Il ne faut pas se faire mal aux doigts en disant crocodile. Effectivement, le crocodile. Question crocodile, toujours posée par l'un de nos Gulivers. Les candidats ont-ils été vaillants cette année? En gros, comment tu les as trouvés? Ah bah moi, je les ai trouvés super vaillants, super motivés, super courageux, impressionnants de ténacité, avec cette espèce de gagne, parce qu'ils ont envie de... C'est ça qui est génial, c'est que ça se transmet. Et même moi, j'ai envie qu'ils gagnent tous.
Mais toi, on t'a découvert aussi quand même. Ah bon? C'est un moment quand même où t'as découvert, parce que moi, je t'ai vu extrêmement proche des candidats. Je te connaissais via d'autres émissions, mais dans cette émission, je t'ai trouvé hyper proche, mais vraiment dedans, quoi. Ouais. T'étais vraiment avec eux? Ben, je suis vraiment avec eux, mais de toute façon, tu peux pas faire autrement, je pense, dans cette émission. Et pour ça, t'es une super ranger. Voilà, je tenais à le préciser. Allez, animal suivant. Facile. La girafe. Eh ben, c'est la girafe. Oui, ma copine. Je ne pensais pas, en préparant cette émission, que la girafe produisait un son. La question girafe, ce n'est pas une question. Qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire qu'on est tombé sur un petit moment assez sympa, qui nous a fait beaucoup rire. Oui. Mais beaucoup, beaucoup rire. Ah oui. On va la regarder, et après on va en parler. D'accord. Parce que celle-là, je pense que c'est de l'exclu total. Allez, on regarde ce petit moment assez sympa. Je suis pas sympathique. Au courant, alors, c'est ça. Mais de quoi s'agit-il? Ben, tu vas voir. Allez, papa, allez, papa, allez. C'est bon? Un deuxième pour la route. C'est plein de protéines et vu l'épreuve qui vous attend, vous allez en avoir besoin. Je vous accompagne? C'est voulu. Allez, on trinque? Allez, 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 Chine. Un petit coup en Afrique du Sud. C'est pas mal. Pas mal. C'est l'apéro. Faut juste pas savoir ce qu'on mange, mais c'est pas mal. C'était quand même assez drôle. Mais le vermopane, tu es animatrice. Oui. Tu n'as aucune obligation de manger des verres, on est bien d'accord. On est d'accord. T'es là pour accompagner les candidats et les motiver et tout ça. Qu'est-ce qui t'a pris à ce moment-là? Mais j'en sais rien parce que il a tenu ses promesses parce qu'il avait dit si j'arrive à cette épreuve-là, je mangerai deux vermopane. Donc moi quand on me dit ça, je dis alors Momo, il est temps de tenir tes promesses. Et donc, il mange. Et puis, je me dis, je sais pas, tiens, ça avait pas l'air dégoûtant. Je me dis, bon, j'y vais. Mais en un quart de seconde, enfin, ça a pris un peu plus de temps que ça, mais je me suis dit, pourquoi pas, j'ai même pas réfléchi, j'ai goûté avec lui. Et ben voilà, et c'était un super moment. Et ça met aussi le ton de l'émission, le ton de cette finale. Effectivement, il y a deux familles qui vont se tirer la bourre à fond la caisse, mais il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour. Et vous verrez donc Carole en train de manger des verres. Donc, la grande finale de Safarigo, c'est ce vendredi à 20h55. Et alors, pour les fans, demain, il y a la rediffusion de l'épisode 4 que vous avez vu ce vendredi. Est-ce que j'ai été clair? À 18h30. À 18h30, exactement. Soyez branchés, amusez-vous bien. Carole vous attend avec toutes les familles. C'est juste génial. Merci, Carole. Merci à toi. C'était un plaisir. Ah partagé, réciproque. Alors, je reviens quand je veux. Oui, alors maintenant, tu peux redevenir Anaïs ou pas? Ah non. Mais si, maintenant, tu redeviens Anaïs. Non. Non, si, il est temps maintenant. Allez, attention, Anaïs revient maintenant. Sors de ce corps. Oh, d'avoir été dans la peau de Carole Rousseau, c'était génial. J'ai tous ces souvenirs, il y avait les buffles, les tigres, les lémuriens, tous les girafes et tout. Et je sais même qui a gagné la grande finale. Non mais faut pas le dire. Pour découvrir qui sont les grands gagnants de Safarigo, on se branche sur Gulli vendredi prochain. Voilà. D'accord. J'ai le droit de dire ce qui se passe dans l'épisode de Danger Mouse? Ah bah oui, ça tu peux. Ok, alors du coup, il y a le baron d'Auvers, il a une télécommande, il contrôle tous les feux rouges de la planète. Et alors du coup, il y a Danger Mouse qui arrive. Non, faut pas tout dire après. On dit un peu sur Danger Mouse, mais on dit pas tout. Allez, Danger Mouse, c'est maintenant. Voilà. Tu veux savoir qui c'est qui a gagné? Oui, vas-y. Benon. Je te jure. Benon. Ils ont cartonné.